Désolé, monsieur Schaeffler. Faut que je parle, monsieur Schaeffler. Je suis en train de m'éplucher un fruit. Pourquoi est-ce qu'Armand qui vous reprend là? Pourquoi pas vous? Je sais, je sais. Monsieur Carman, si vous nous laissiez un instant, nous devons parler entre quatre yeux. Vous voulez un fruit aussi? Bon, j'ai très bien ce que vous ressentez. Mais enfin, qu'espériez-vous? Que j'espérais? Ben oui, allez, dites-le. Que ce soit moi qui aille au congrès pour présenter la prise de courant fort, passe bricoleur. Comment imaginez-vous la chose? Mais comment est-ce possible? À votre avis, on fait tout ça pourquoi? Ce congrès idiot est tout un point. Les gens voient que nous avons bien travaillé. Pour qu'ils viennent acheter le produit. Acheter, si vous voulez. Acheter, 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 bah, si vous voulez. Oui, et alors? Acheter. C'est vrai? Oui, mais ce serait à vous de vendre le connecteur pour courant fort. Alors je le vendrai. Vous avez l'air de vraiment le croire. Pourquoi? Vous devez bien être conscient. Quoi? Enfin, vous devez bien savoir. Qu'est-ce que je dois savoir? Totalement impossible. Ah bon? Pourquoi? Vous ne savez pas. Non? Quoi donc? Jamais personne ne vous l'a dit. Je ne vois pas. C'est pas croyable que ça tombe encore sur moi. Quoi? Bah, que ce soit précisément à moi de vous le dire. Quoi? Avant, je me disais, une fois chef, j'aurai une secrétaire à l'entrée qui s'occupe de tout ça, et moi je me concentre sur l'essentiel. Au lieu de ça, moi, je me retrouve là, avec vous. J'ai peur de ne pas vous comprendre. Ah, mais c'est peut-être justement ça l'essentiel. Quoi? Qui est plein de gens? Et que ce soit quand même à moi de vous dire que vous avez une tête pas possible. Peut-être que seulement un chef peut faire ça. Une tête? Personne ne vous l'a dit. Non. Pourtant, vous avez une femme. Un instant, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez rien vendre avec cette tête. Quelle tête? Vous voulez un fruit à présent? Elle a quoi, ma tête? Votre mère vit-elle toujours? Quel rapport avec ma mère? Elle pourrait vous expliquer d'où ça vient. Ma mère ne peut rien m'expliquer du tout. Ou votre femme, après tout, elle vous a choisi, parlez avec elle. Écoutez, moi, cette conversation avec vous m'a épuisé, je rentre plus tôt. Et puis ne faites pas cette tête. Quelle tête? Je ne sais vraiment pas ce qu'il entend par là. Vraiment pas? Ah non. Regarde-moi. Oui. Tu regardes où? Tes yeux? Non. Tu me regardes seulement l'œil gauche? Seulement dans l'œil gauche. Je sais pas. Aujourd'hui, je voudrais savoir. Mais je t'aime. Oui, c'est bien. Je veux savoir pourquoi tu ne me regardes pas. Bon, ça suffit à présent. Ça suffit pas du tout. J'entends dire aujourd'hui pour la première fois qu'il y a un problème avec mon visage. Je le sais depuis longtemps. Donc, tu le sais aussi. Ça fait une éternité que j'y ai plus pensé. Quoi? Tout au début, quand nous nous sommes rencontrés, bon, il y a eu une petite période... Une période de quoi? De trouble. T'étais troublée? Oui. Par mon visage? Oui, mais ça s'est très vite arrêté. Parce que t'as pris l'habitude de...
regardais seulement dans l'œil gauche. Peut-être, j'ai pas fait exprès. Et tu te souviens du trouble? Ben, ça s'oublie pas. Quoi? Chérie. Quoi? Je pensais que tu le savais. Je t'ai toujours admiré, avec quel superbe tu t'en sors. De quoi? Ben, de ce que tu es incroyablement moche. Je voulais pas te laisser. Moche? J'en aurais jamais soufflé mot parce que tu es un être si rare. Tu me trouves moche? Intérieurement, tu es très beau. Mais ton visage est hélas très très moche. Mais on n'aurait pas pu dire ça autrement. Non. Que tu me trouves moche? C'est pas que je te trouve moche. Mais la question n'est pas ce que je trouve ou ne trouve pas. Mais tu es moche. C'est une réalité. Personne ne peut penser aux choses en te voyant. Ça me dépasse que tu le saches pas. Comment je pourrais le savoir si personne ne me le dit? Mais parce que c'est flagrant! Ça saute aux yeux! Bon. J'ai peut-être pas un physique éblouissant. Pour ça, j'ai pas le droit d'aller au congrès de briques, c'est absurde. Tu ne trouves pas que c'est absurde? Ben... Quoi? Ben, à vrai dire... Quand tu m'as dit que tu voulais présenter ton connecteur toi-même, j'ai été plutôt surprise. J'ai pensé, c'est courageux. Courageux. Et qu'ils te laissent le faire. Ils doivent être franchement convaincus que ton connecteur pour ce courant fort va faire sensation. T'as une tête si catastrophique qu'avec ça, on peut rien vendre du tout. Sensation. Catastrophique? Oui. Tu veux dire comme une catastrophe? Oui. Mais c'est vraiment grave. Comment t'as pu supporter ça depuis si longtemps? Tu es un être beau. Ouais, c'est une fraction du visage. Autrefois, si on m'avait dit qu'un jour j'aurais un mari aussi moche, je l'aurais pas cru. Je ne remarque même pas. Oui, parce que tu me regardes pas vraiment. Mais j'aime tout de toi à part ça. Je n'aime pas toute ta façon de parler. Nous aurons plutôt une relation acoustique. Bah, peut-être. Tu m'aimes alors que je suis si épouvantablement moche? Oui. Ça ressemble à un compromis. Mais c'est pas comme ça que je le vis. Je dirais que je t'aime sans compromis. Par exemple, je te trouve pas moche du tout. Je te trouve même très belle. Ah oui, chérie, parce que je le suis. Moi, par exemple, j'ai nettement une relation optique avec toi. J'en suis ravie. Je trouve ça grave. Vous ne pouvez pas m'envoyer simplement promener comme ça. Vous passez pour un spécialiste en matière de visage. J'en suis un. Je n'ai encore jamais vu un cas comme le vôtre. C'est-à-dire? Je ne saurais même pas par où commencer. C'est si grave. Bien, voyez-vous, je suis comme un sculpteur. Il regarde une pierre et il voit un potentiel qui est dans cette pierre. Ensuite, il travaille la matière brute pour obtenir la forme idéale. C'est exactement ce que je fais avec le visage. Mais chez vous... Chez moi? Chez vous, je ne vois aucun potentiel. On ne peut pas dire, bon, le nez est raté, les joues ça va, mais bon, je vais retravailler le nez et ainsi je rétablirai l'ordre dans ce visage chaotique. Bon, tout ça n'est pas possible chez vous. Chez vous, il faudrait que je recompose le visage dans son entier. Ah non. C'est pas possible. J'ai encore jamais fait ça. Et vous trouvez pas ça plutôt excitant comme défi? Je dois admettre que c'est plutôt excitant. Mais vous devez savoir que de ce que vous êtes actuellement, il ne restera rien. Qu'en penses-tu? Tu ne dois pas faire ça.
Donc je sais que je suis déformé. En tout cas, l'assurance le prendra en charge. Elle a pris en charge des cas beaucoup moins graves. Ça, ça te rend plus heureux. Tout ce qui te rend heureux me rend heureuse. Et s'il reste rien de mon visage tel qu'il est là? Ah, mais ça fait rien, de toute façon, je le regarde jamais. Signez ici que vous êtes prêt à renoncer complètement à votre visage. Et de quoi j'aurai l'air après? Je peux pas vous le dire. Voyez-vous, quand je laisse une paire de paupières, je peux prendre une photo avant et dessiner ensuite ce que je vais faire. Mais chez vous, je vais devoir décider opérationnellement pendant l'opération. C'est une question de confiance. Ah bon? Je pense qu'on peut lui faire confiance. Ouais, enfin, je sais pas. Si je dois renoncer complètement à mon visage, quelque part, je trouverais plutôt rassurant de savoir ce que j'ai après, pas que vous constatiez opérationnellement pendant l'opération qu'il n'y a rien à faire, et qu'ensuite je dois me balader dans la rue sans visage. Ça ne devrait pas être le cas. Et même... Vous voulez dire que ce serait mieux que maintenant? Pour être honnête, c'est bon, je signe. Veuillez vous allonger sur ma table. Est-ce que je pourrais me voir une dernière fois dans le miroir? Ne vous encombrez pas de cette vision avant l'opération. Je me disais que, avant que tout soit enlevé... Croyez-moi, vous ne ratez rien. Bon, d'accord. Adieu. Est-ce que ma femme me reconnaîtra quand même après? Espérons que non. Allez-y, charcutez. Nous allons commencer par le nez, parce que c'est celui qui dépasse le plus du visage. La peine. Vous m'avez défiguré. Mais il n'y avait rien à défigurer. Je ressemble à la pâté pour chien. Un stade transitoire et sans aucune comparaison avec la situation précédente. Mais ça fait mal. Normal. Non, pas normal. Comme si j'avais plein de fourchettes brûlantes dans le visage. Et j'ai les yeux qui pleurent sans arrêt. Et c'est gonflé, étendu partout. Et ça fait mal. J'en veux pas. Vous n'avez pas besoin de parler. Vous retournez tout simplement à votre laboratoire. Vous développez vos connecteurs. Nous sommes si contents que vous soyez au retour. Ça m'a secoué quand j'ai appris votre accident. Accident? D'après moi, c'est une tentative de meurtre. C'est moi qui ai fait la demande. Pourquoi?
J'ai même dû signer. Que c'est OK si on vous écrabouille. Je comprends pas de quoi vous parlez. Votre accident, la voiture folle, le passage piéton. Il a visiblement tout oublié. Le choc. Vous croyez que c'est un accident? C'était pas un accident. Et qui raconte ça? Je me suis dit, pas la peine que tout le monde le sache. Pourquoi? Tu trouves ça gênant? Pas pour toi. Pas pour moi. Pas pour toi. Pas pour moi. Ah bon? J'ai trouvé ça gênant. Je savais pas. Mais je voulais pas qu'il se moque de toi. J'étais juste horriblement moche. Je vois pas ce qu'il y a de drôle du tout. Faut pas faire chier. C'est pour ton bien. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur de ressembler à quelqu'un qui est passé sous un camion. Ça fait mal. Cette peur, vous pouvez vous l'épargner. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis votre médecin. C'est ce que je suis censée vous dire. Alors, enlevons ce bout de bandage là et regardons ce qu'il y a en dessous. Oui. Eh ben, allons-y. Tout de suite. Pourquoi pas maintenant? Mais c'est ce que je dis, maintenant. Mais vous avez peur? Peur, moi? Non, vous. Bien sûr que j'ai peur. C'est quand même à moi qu'on a charcuté le visage, pas à vous. Justement, c'est donc vous qui avez peur. Allez, enlevez ce foutu bandage. Vous êtes prêts? À quoi? Je ne sais pas, il faut d'abord que je regarde. Alors, regardez. Mais après, pas de pleurnicherie, hein. Je voyais ça différemment, plus à gauche, plus à droite, plus au milieu. Arrêtez, retirez la gaze. Je m'attendais pas du tout à ça. Raté, je suis massacré. Au contraire, vous avez une tête d'œuf dur sans coquille. Oh, c'est moi. C'est lui. Moi-même, je n'en suis pas tout à fait sûre. C'est mon mari. Je sais pas, je connais pas cette personne. Je vous ai extraordinairement bien réussi. Je peux toucher? Je vous en prie. Ça va rester comme ça? Dans les prochaines années, oui. Quel dommage qu'un tel chef-d'œuvre finisse 6 pieds sous terre. Aussitôt. Lita, tu me reconnais? Toi, oui. Je ressemble à quelqu'un que j'envierais toujours. Oh, tu te plais pas? Si, bien sûr. Mais simplement, je sais pas si c'est moi. Qui d'autre? Tu me regardes si différemment. Comment? Plus dans la gauche. C'est un progrès. Je sais pas. J'aimais bien ça, comment tu me regardais avant. Mais maintenant, je regarde ton visage. Si c'est le mien. La couleur des yeux est toujours la même, hein. La voix aussi. Quoique, nous n'avons pas touché à la voix. Qu'est-ce que tu as à faire avec ce bonhomme? Je le ramène à la maison. Ça, tu l'as dit aussi à l'époque. Et au lit? Ça, tu l'as pas dit si vite. Hein. J'en suis presque jaloux. Hein. Tu veux d'abord t'habituer à moi? Non, l'inverse. Moi, je te connais, c'est toi qui dois d'abord t'habituer à moi. Ah bon? Toi, s'il te plaît. Moi? T'es sûr que c'est moi? Je peux l'embrasser, ça tient. L'étranger? Comment t'embrasses? Comment j'embrasse? On dirait une régoulue. C'est mal? Au contraire. Il n'y a plus qu'à retirer les fils. Fantastique!
Cet accident vous a changé, mais du tout au tout. On me dit souvent ça ces derniers temps. Nous avons un nouveau collègue. Hello, monsieur Carman, c'est moi. Nous nous connaissons? C'est monsieur Lette. Il s'est magnifiquement bien remis. Non. Si. C'est moi, Lette. On ne voit aucune cicatrice. Ah si, encore un peu derrière l'oreille. Et la majeure partie est cachée par les cheveux. On recourt sous-cutané, on opère par la cavité buccale. C'est... Moi, j'arrive pas à y croire. Et ça va rester comme ça? Ah, si ça tient, oui. Mais vous avez toujours été tellement moche. On ne peut se fier à rien de nos jours. À propos de l'hôtel, encore une chose. Réservez coûte que coûte une chambre, balcon côté sud, vous aurez une vue splendide sur les Alpes. Merci, vous me l'avez déjà dit. À vous? Oui, la chambre est réservée. Mais je ne parlais pas à vous, je parlais à monsieur Lette. Monsieur Lette? À moins que vous occupiez dorénavant aussi de la réservation, monsieur Lette. Non, non, la chambre est pour moi. Pour vous. Et qu'allez-vous faire à Brigue? Je pensais pour la présentation. Quelle présentation? Le connecteur de Seca que je dois présenter à Brigue. Vous devez le présenter, alors la première nouvelle. Ça ne vous concerne absolument pas. Balcon côté sud, à votre place, j'insisterai. Alors il y a sans doute eu un malentendu de ma part. Sur la face conductrice du connecteur modulaire de CK breveté sont montées exclusivement des embases avec couvercle d'obturation et joint en caoutchouc. Le boîtier, en l'étant anti-choc et par la poudre, se monte sur les armoires de commande comme sur les plaques de base. On peut installer au total 16 contacts en régime actif avec fixation centrale ou par brique carrée pour une mise en circuit forcé comme prise de terre pour confirmer une alimentation électrique de sécurité. Les broches de contact sont interchangeables, ce qui permet une application combinée mâle-femelle, les broches pouvant atteindre, selon l'ampérage requis, une longueur maximale de 40 cm. 40 cm. De parler sérieusement. Puis-je faire les présentations? Monsieur Leiter, responsable de notre département développement, Madame Fanny, directrice du groupe Nucléaire. Heureux. Très impressionné. Je m'intéresse surtout à l'application combinée mâle-femelle. Maman. Voici Carman, raté de fils. Raté, pourquoi? Oh, regarde-le. J'ai une mère dominatrice, alors on prend pronom sexuel. Je vous imaginais beaucoup plus âgé. Pourquoi? On dit dans les journaux que j'ai la vieille? Non, mais... Donc, quel âge me donnez-vous donc? Je sais pas, vous avez l'air d'être plus jeune que votre propre fils. C'est parce que ce boucher lui tire sans arrêt la peau derrière les oreilles. Elle a 73 ans. Et alors? Vous êtes charmant. Je me ferais volontiers présenter votre connecteur de 40 cm en détail dans ma chambre d'hôtel. Ma mère ne comprend rien à la technique, il faut nous excuser. Nous n'avons pas besoin de connecteur actuellement. Non, qu'en sais-tu de quoi j'ai besoin? Ce mode de connexion me semble très prometteur. Ma mère dirige officiellement le groupe. Blablabla, bla, je sais. En réalité, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Moi, ça me fait bâiller en décrochant la mâchoire, ce stupide carrosserie. Tout ça parce que les pin-ups sur les capots faisaient bander son père. D'un mauvais goût. Raison pour laquelle il s'est fait un arbre à 200 bricoles sur la vitre et par la même occasion a désingué une fois pour toutes le capot, la pin-up et lui-même. Je n'ai pas obligé de revenir tout le temps là-dessus. Je supporte mal, tu sais bien. Depuis la dernière opération, les canaux lacrymaux ne sont plus étanches. Je vais avoir prendre la calèche qui dévoue partout. C'est un connecteur formidable que vous avez inventé là. Mais nos émetteurs UV sont fixes et n'ont pas besoin de se brancher séparément de manière flexible. Ah, peu importe. Nous allons installer quelques-uns de ces bidules sur nos machines. Ça ne peut pas faire de mal. Hein. Commencez par m'accompagner au bar. Nous ouvrons le connecteur plus tard. Ne vous faites pas d'illusions. Elle fait toujours ça. J'ai pas le matériel de démonstration, vous savez peut-être. Taratata, matériel de démonstration en question, vous l'avez toujours sur vous. Je sais, c'est pas professionnel, mais j'ai vraiment rien concernant de ces cas. Respirez à fond. Ah bon? Une
s'agit pas de brochure. Mais la dame a un besoin humain. Humain ? Et vous allez le satisfaire. Pas dans l'intérêt d'entendre. Pourquoi moi ? Ben moi, je ne vous l'ai pas demandé. Et ma femme ? Pas votre femme. J'ai une femme à la maison. Nous avons tous une femme. Estimez-vous heureux qu'elle soit à la maison, pas ici. Je ne suis pas heureux, moi je voudrais qu'elle soit ici. Oh, mais vous êtes un débutant. Voulez-vous faire quelque chose dans votre vie, non ? Oui. Alors ne l'embinez pas, faites quelque chose pour votre carrière. Maman. Pour nous, pour le 2C4. Elle c'est vraiment une vieille. Peu importe, ça ne se voit pas. Sur le visage, non. Elle reste. On se sent probablement racistelée de partout. De partout. Je n'imagine pas qu'on investisse tellement sur le haut pour faire des économies sur le bas. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a ? Enfin, avant, personne ne voulait de moi pour dire oh, ce genre de... Mais c'est parce que vous aviez l'air d'un vieux steak haché. Moi ? Gratouillez-moi derrière les oreilles. Il va pleuvoir. Ici ? Elle est très sensible au changement de temps et descend à ses cicatrices. Il n'y a rien à faire. Après chaque opération, j'ai davantage des zones sensibles sur la peau. Vous voulez voir ? Votre fils, hein. Oh, quand même ! Il regarde juste. Je regarde juste combien de temps elle va être sûre de son physique avant de réclamer le médecin à corps et à cri. Il est jaloux. Vous lui plaisez, mais avec son physique, il n'a aucune chance. Je regardais déjà quand j'étais enfant. Elle a besoin de ça. Il vous dérange ? Je sais pas, je suis encore un débutant. Détendez vos muscles. Vous serrez les poings. Je peux pas m'empêcher de penser à ma femme. Il faut qu'elle comprenne après tout. Avec ce visage, vous ne pouvez pas vous limiter toute votre vie à une seule femme. Ah, oui. Ça saute aux yeux de n'importe quelle femme qui voit votre visage. N'importe quel homme aussi. Quel rapport avec mon visage ? La fidélité conjugale n'est pas une question d'attitude. C'est une question d'offre. Et bien sûr, avec ce physique, l'offre est infiniment plus grande que la moyenne. Eh, faut comprendre ça. Sinon, ce serait complètement naïf de ta part. Sinon, ce serait complètement naïf de ta part. Je trouve ça drôle. Avec ce visage-là, je peux pas me limiter toute ma vie à une femme. Mais t'es vraiment cinglé. Et c'est une question d'offre. Elle est plus grande qu'avant. Après chaque présentation, il y a une queue de moins de 25 femmes devant mon vestiaire. Mais qu'est-ce que t'attends devant ton vestiaire ? Des autographes. Mais pas bah, donne-leur cet autographe à la noix. Des questions plus précises, qu'elles veulent approfondir avec moi, dans une ambiance détendue. Et jusqu'où vont ces questions détendues ? Pas très loin. Généralement, elles veulent que je leur présente mon connecteur en détail. Mais t'es partant ? Ça dépend. De quoi ? Par exemple, l'une d'entre elles est directrice chez Nucleartig. Bon, si c'est un problème pour toi, c'est un problème. Pour qui ? Pour moi. Pour toi. Moi, si j'ai un problème, alors tôt ou tard, ce sera aussi un problème pour toi. Donc si cette directrice est un problème pour toi, alors tôt ou tard, ce sera aussi un problème pour moi. Exact. Donc il faut apparemment que je prenne sur moi, sinon tôt ou tard, j'aurai un problème. Exact, tu feras mieux de prendre sur toi. Et est-ce qu'elle a quelque chose là ? De l'expérience, 73 ans. Je n'avais pas pensé que tu étais sexuellement porté sur les momies. Quand elles sont bien embaumées, nous avons plein de bonnes discussions. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Derrière votre oreille. On sent encore la cicatrice ? Je pensais bien que votre visage avait quelque chose de louche. La nature ne peut pas être aussi injuste. Aussi très injuste la nature. Je peux embrasser la cicatrice ? Si vous voulez. Oh. Oh. C'est bon. Oh. Oh, je savais pas. Une pareille sensation. Oh, pouvait exister. Nous avons tant de points communs. T'es vraiment complètement cinglé. Ben, peut-être. C'est que l'offre est grande. 25. Peu
elle. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais pourquoi? C'est quand même de moi qu'il s'agit. Et si je ne joue pas le jeu? Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Si par exemple, je te laisse tomber. Toi? Moi? Si tout simplement, je pars. Où voudrais-tu aller? Loin. Et je te laisse seule, avec tes 25 femmes. Avec 25 femmes, tu n'es jamais seule. Hein. Tu serais seule et t'es pas prêt d'en retrouver un autre. Hein. En tout cas, pas un aussi beau que moi. Alors, je suis le numéro 26. Non, tu restes le numéro 1. Et maintenant, derrière, il y a d'autres numéros, c'est tout. Je pourrais avoir une autographe. Mais pourquoi? Enfin, moi, tu peux me contempler tant que tu veux quand je suis à la maison, toute la nuit quand je dors. Mais avec un autographe, eh ben, j'aurais quelque chose à regarder pour quand tu seras avec le numéro 2. Ah bon? Ou avec le numéro 3. Bah, c'était pas une mauvaise idée. Ou avec le numéro 8. C'est bon, j'ai compris. Ou avec le numéro 9. Avec le numéro 10, je sais. Ou le 11, ou le 12. Ou les 12, 13, 14, 15, j'ai pigé. 16, 17. Ah, super, comme c'est compté. 18, 19. Attends, c'est 20. 21, 22. Tu m'énerves. J'ai une proposition à vous faire. Bah, dépêchez-vous, j'ai pas le temps. Bien sûr. Je vous ai extraordinairement bien réussi. Ouais, je sais. La méthode de remodelage global que j'ai développée a suscité un vif intérêt et a attiré sur moi les feux des projecteurs. Vous? Je croyais, moi. Qui? Vous êtes sûr que c'est vous qui a été placé là, sous le feu des projecteurs? Bien sûr, qui d'autre? C'est quand même de mon visage que nous parlons. Je ne cherche pas la bagarre. Bon, alors je suis déjà passé de mon contrat. Dans le cadre d'un cycle de conférences, on m'a proposé de présenter ma technique innovante et j'aurais souhaité que vous m'accompagniez. Ah bon? Comme matériel de démonstration, en quelque sorte. Je ne suis pas du matériel. Ma proposition ne vous plaît pas? Écoutez, une diapo avant, après, ne suffirait pas? Mais non, j'ai besoin que vous ouvriez votre cœur devant un public spécialisé, que vous expliquiez comment, par mon art, j'ai transformé votre vie. Au sens positif, j'entends. Positif? Bien sûr. J'ai vraiment pas. Je vous offrirai beaucoup d'argent. Oui, bah j'en ai déjà. Et vous deviendrez très célèbre. J'ai un brevet sur le connecteur de CK, je suis célèbre. Et voici, mesdames et messieurs, l'été en personne. Transformer la vie de Monsieur Laiteux. Monsieur Laiteux, comment allez-vous? Bien. Vraiment? Et comment alliez-vous avant l'opération que j'ai effectuée sur votre visage selon une méthode radicalement innovante? Comment j'allais? Oui. Pourtant que je m'en souvienne, très bien. Vraiment? Mais n'étiez-vous pas extraordinairement moche? Nous avons vu les diapos. Je les ai trouvés assez exagérés. Personne ne ressemble à ça. Mais dans l'ensemble, vous allez bien. Oui. Je viens d'encaisser à la banque un gros chèque
Et ce soir, j'irai dîner, je sais pas encore avec qui. Et les volontaires peuvent se déclarer, je choisirai quelqu'un. Moi, je veux bien, hein. Si vous êtes d'accord. Bien entendu. Bien, votre vie a l'air excitante. Non, non, je suis tout à fait détendu. Vous aussi, vous le trouvez super. Je suis sa femme. Oh, je suis désolé. J'imagine que c'est insupportable d'être la femme d'un tel homme. Et qui êtes-vous donc pour débiter des sottises pareilles? Carman, je suis son assistant. J'ai travaillé avec lui sur le 2CK. Ah, monsieur Carman, j'y suis. C'est vous qui avez renversé du vin chaud sur ma robe à la fête de Noël. J'étais sous, je me souviens pas. Vous êtes gay, voilà ce que vous étiez. Que vous jouiez ce jeu. Quel jeu? Vous aussi, vous allez faire la queue tout à l'heure, en espérant qu'il vous emmène dans sa chambre d'hôtel. Ah non. Moi, j'ai ma chambre dans un hôtel. Une femme comme vous. Comment? Très séduisante. Si un jour, vous décidez de vous venger, pensez à moi. Et alors, c'est très gentil, mais je suis obsédée par son visage. À côté, vous avez l'air d'une prise électrique. C'est moqué, hein. Ce type est un gag. Une coque vide. Un paix fermenté. D'ailleurs, il fait plus du tout de recherche. Comment pourrait-il en faire? Il présente le produit sans permis. Vous voulez dire son visage? Il présente son visage et rien d'autre. Ce qu'un connecteur, il a oublié depuis longtemps. Peu importe, votre chiffre d'affaires a augmenté de 70%. Et puis vous êtes là, est-ce que vous avez continué à bricoler le 2CK? Oui, j'ai développé une version pour l'industrie lourde, le 2CL, qui est étanche aux projections d'eau et à l'huile, disponible avec fixation angulaire, étrié, anneau compressé. C'est bon, épargnez-moi le baratin. Quand peut démarrer la production en sélection 2? Pas tout de suite. Monsieur Letteux. Oui, monsieur Letteux. Vous devez repartir. Où ça? Vous devez présenter absolument le 2CL au prochain congrès de Brigue. 2CL? Attendez, c'est pourtant 2CK qui s'appelle. Le nouveau connecteur de monsieur Carman. Il s'appelle le 2CL. Et depuis quand Carman a un connecteur? Exact, il s'appelle le 2CL et c'est moi qui l'ai inventé. Vous êtes encore là, vous? Qu'est-ce que vous faites encore là? Le 2CL est ma création. Et j'aimerais bien le présenter moi-même à Brigue. Bon, votre visage tient à peu près la route. Un connecteur est un objet réputant compliqué. Il vaut mieux que les gens n'y attaquent pas trop près. C'est pourquoi il faut un puissant dérivatif. Et le visage flamboyant, grandiose de les deux, focalise tellement tous les regards qu'aucun ne s'attardera sur votre malheureux dossier. Soyez pas triste, Carman, tout le monde peut pas avoir un visage comme le mien. Oui, alors c'est ce que je pensais, mais c'est déjà la troisième fois que ça arrive. Quoi? D'abord au supermarché, ensuite dans le bus et juste à l'instant au parc. Au parc? Je suis assis sur un banc, quelqu'un s'assied à côté de moi, je jette un coup d'œil, c'est toi. Moi? Oui, avec un nouveau manteau. Bon, je te regarde encore, une femme arrive dans l'allée, tu lui fais un baiser. Mais enfin, j'ai pas... Et alors, tu as ouvert la bouche et tu t'es mis à parler avec la femme, et ta voix était complètement différente. Et la femme a dit que l'opération s'était apparemment bien passée et que tu étais exactement comme sur la photo. Enfin, j'ai pas été au parc. Mais je sais, c'était pas toi, c'était un autre. Avec ton visage. Avec mon visage. Tiens. Et c'est déjà la troisième fois que ça arrive. Qu'est-ce que c'est? Bon, la femme a sorti ça de son sac à main. C'est une brochure du docteur Schaeffler avec une photo de toi. Elle me l'a donnée tellement j'avais l'air désemparée pour votre mari, elle a dit. Mais je... Ne vous énervez pas. Pourtant... Vous devriez être fière. Fière. Après tout, ils veulent tous vous ressembler. Oui, et ben je trouve ça un peu déstabilisant de croiser mon mari à chaque coin de rue. Vous n'aimez pas voir votre mari? Comment trouver mes repères du point de vue érotique? Bien, votre vie s'enrichit de charme supplémentaire. D'une surdose de charme. Je suis perdue. Elle est perdue. Je veux pas que ma femme soit perdue. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi ça vous regarde? Parce que ça me regarde, parce qu'ici, il me semble qu'on est en train de brader mon visage dans les grandes largeurs. Ce n'est pas votre visage, c'est moi qui l'ai inventé. Mais vous pouvez pas varier au moins un peu? Ce n'est pas la demande, vous avez convaincu. Par conséquent, c'est de votre faute. Vous allez l'opérer, lui aussi? S'il a assez d'argent, oui. C'est, vous êtes sûr que c'est nécessaire? C'est mon assistant, ça va créer la confusion. À propos d'argent. Voici ce que je vous dois pour le dernier cycle de conférences. Y'a pas assez? Si. Ah non,
2005. Là, il y a 1002. Oui. Les prix changent. Et si les prix changent, je ne suis plus disponible. Bien. Quoi, bien? J'ai dit bien. Vous dites bien, et commercialement, vous dépendez de moi. Bien sûr. Non? Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, vous n'êtes plus le seul porteur de matériel de démonstration requis. Et les autres... Les autres porteurs de visage ne sont pas seulement bien plus agréables au niveau des relations personnelles. Ils sont surtout beaucoup moins chers. Ils sont pas authentiques. Pas vous non plus. Si vous pouviez abréger, je suis mentalement plutôt sous pression avant cette opération. La tente est usante. J'aimerais aujourd'hui sortir de ma vieille peau. Si vous voulez bien m'excuser, mon patient attend. Votre patient, c'est mon assistant. Et vous, Carlman, je vous interdis mon visage. Oui, vous pouvez me voler mes inventions et faire comme si c'était les vôtres. Mais ce que je fais de mon visage, ça reste mon affaire. Oui, bon, en l'occurrence, il s'agit de mon visage, pas du vôtre. La face, vous l'avez perdue depuis longtemps. Bien, bien, bien. Nous allons commencer par le nez, parce que c'est celui qui dépasse le plus du visage. Ah! Christian, maman, c'est les deux. Quel Christian? Le type qui joue du piano au bar à cocktail. Vraiment? Quel ressemble à Christian? Ben, si c'est vrai, alors c'est ce Christian qui me ressemble. Oh, c'est vraiment important? J'étais là le premier. Peut-être, mais pas la semaine dernière. Et c'est là qu'elle a ramené ce Christian. Et moi, je ne sais pas jouer de piano. Oh, mais l'essentiel, c'est que tu sois là. Tu veux pas te débarrasser? Non! Allez, Carlman, déshabille-moi cette tête de l'huile, les anneaux au sonar. Si tu es tellement pressé, un instant, un instant. Qui a-t-il? T'as dit qu'il devait me déshabiller. Accorde donc ce plaisir au petit. Je veux pas qu'il me tripote. Mais pourquoi pas? Je t'ai rien fait. J'ai une liaison avec ta mère. Et alors, ça vient-tu pas? Au contraire. Il te plaît pas? C'est pas la question. Il te plaît? Aucune idée, maman. Moi, je peux quand même demander. Ça devient beaucoup trop hormonal pour moi. Maman, c'est indispensable. Je suis juste intriguée parce qu'il se fait un tel cinéma. Il se plombe devant le miroir et regarde son nez. Il dit qu'il a le nez de son père. Ah bon? Comment trouves-tu le nez? Le nez? Oui, son nez. Comment le trouves-tu? C'est un nez. Maman, c'est gênant. Tu vois, il a rien d'exceptionnel, ton nez. Au mieux, tu es dans la moyenne. Mais je voulais pas, simplement, moi les hommes. Oh, ça va, j'ai compris, je te plais pas. Non, non. Oh, bien sûr, avec le nez que tu as, je fais pas le poids. Bon, allez, Carlman, ne sois pas triste. Te voilà dans de beaux draps. Pourquoi ne deviens-tu pas enfin adulte? C'est parce que j'ai une mère dominatrice. Oh, tu n'as même pas honte, c'est pleurnicherie. Ah, mais ça fait mal. Ah, ça fait horriblement mal. Ah. Oui. Pour mon mari, c'était pareil après l'opération. Votre nouveau visage va vous propulser vers d'autres sphères. Ouais, maintenant, plus rien ne doit me retenir. On fait penser à lui. Ah non? Vous parlez du visage? Non. Pas seulement le visage. Cette fougue. On entend littéralement le vrombissement des moteurs qui vous poussent en avant. Savez-vous ce que je faisais à l'époque? Quand? Quand mon mari avait mal. Quoi? Je crois. Un peu mieux. Vous faites ça pour vous venger? Non, c'est juste que j'aime beaucoup votre visage. La meilleure, maman, c'est clair.
Toi aussi, mon petit. Et moi? Tu n'as pas voulu participer. Je peux pas quand ton fils est là. Tu dis ça parce que tu veux m'achever. Tu n'as pourtant jamais eu ce problème. Ah, c'était Christian, maman, tu comprends. Ce n'est pas Christian? Non, maman, c'est Letton. Ah bon? Mais je trouve qu'il est tout à fait comme Christian. Identique, mais c'est quand même pas lui. Et à quoi devrais-je le voir? Par exemple, au fait qu'il a ce problème. J'ai pas de problème, vous avez un problème. Je n'ai aucun problème. Vous ne vous en sortirez pas sans moi. C'est ce que vous croyez. Je vous vire. Enfin, le connecteur, comment vous allez... Vous n'avez rien produit depuis des mois. J'ai présenté le connecteur de sel de Carman au congrès de Brig. Monsieur Carman le fera à l'avenir. Monsieur Carman, voulez-vous venir? C'est votre visage. Tout à fait, c'est mon visage. Dorénavant, c'est le mien. Bon, je vous laisse régler des choses entre vous. Moi, je vais m'éplucher un fruit. Les clients se sont attachés à moi. Ils me connaissent, ils me croient, ils me font confiance avec mon visage. Nous n'avons pas besoin de vous. Comment? Nous n'avons pas besoin de vous. S'il te le répéter. Partez. Vous me mettez à la porte? Oui. Ils me mettent à la porte. Quoi? Mais Trésor, tu viens juste de développer ton nouveau connecteur de ciel pour eux. C'était pas moi, c'était Carmen. Mais c'est pas Carmen. Non. Ah, j'avais Letteur à la porte. Oui, mais c'est moi. Enfin, Letteur, c'était dans l'air depuis un moment qu'il soit viré. Je suis Letteur. Toi? Oui, moi. Mais tu ressembles à Carmen. Si c'est vrai, alors c'est Carmen qui me ressemble. Peu importe, en tout cas, tu es même. Ah, et donc Carmen? J'aime bien tes sourcils quand tu fais comme ça. Ouais, t'aimes ça aussi quand c'est Carmen qui fait? Bien sûr, Trésor. T'as dit Trésor? Oui, Trésor, pourquoi pas? Mais tu disais pas ça avant. Bah si, au moment où t'es rentré dans la pièce. T'as cru que j'étais Carman? Bon, et comment je ferais pour te distinguer? Pourquoi tu dis Trésor à Carman? Je l'ai pas fait, je suis sur toi. Je veux savoir pourquoi tu dis Trésor à Carman. Bon, c'est si important. Oui. Est-ce que tu me trompes? Ah non. Je couche avec Carman seulement parce qu'il te ressemble. Mais je croyais que c'était moi qui lui ressemblais. Pour moi, ça ne fait aucune différence. Je crois que moi, c'est toi. Sauf qu'apparemment, c'est pas vraiment moi. Oh, c'est quand même plus simple à prendre. Et d'ailleurs, hein, pourquoi c'est moi qui devrais être de trop? Pourquoi c'est moi qu'on devrait virer? J'étais le premier à inventer le système modulaire. J'étais le premier à me refaire le visage. Déjà opéré. Je veux plus être opéré. Je refuse de détruire mon œuvre. Votre œuvre? Votre œuvre? C'est moi qui me balade toute la journée avec votre œuvre dans la rue. Donc ça, j'y peux rien. S'il vous plaît, je vous paierai ce que vous voudrez. Vous n'êtes vraiment pas normal. Vous devriez aller voir un spécialiste. Enfin, c'est pour ça que je viens vous voir. Je ne suis pas un médecin, je suis un artiste. Bon, s'il vous plaît, veuillez libérer la place, mon patient attend. A-t-il le temps maintenant? À moi! À lui aussi. Je croyais que t'étais tellement fier de ton physique. Moi, il y a le Snay, là, qui vient de ton père. Tout ce que t'auras maintenant te viendra d'elle. Tout ça, je le fais rien que pour toi. Pour moi? Pour que je ne te répugne plus autant. Je te veux, chérie. Pas chérie, c'est un chérie. Salutations de ma mère. Nous t'attendons à dîner. Moi? T'es sûr que c'est moi? Non, je suis pas sûr. Moi non plus. En tout cas, moi, ce soir, je n'aurai qu'une petite soupe. Bien. Nous allons commencer par le nez, parce que c'est celui qui dépasse le plus. Chla! J'aimerais bien aller au 25e étage. Ça va faire un tout petit peu mal. Ça fait mal.
ans, je n'arrivais pas à dormir la nuit dans mon lit. Ma mère me souriait, me caressait la joue. Maintenant, elle est partie. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Je ne le regarde pas. Si, chaque fois que je regarde, vous regardez aussi. Encore! Arrêtez, avec votre œil paniqué, je vais me sentir mal. C'est pas moi, c'est vous. Moi? Non. Vous tremblez. Je tremble parce que vous tremblez. Je tremble pas. Si, vous tremblez. Arrêtez, vous me poussez à bout avec votre panique. C'est votre panique. Je panique pas. Si, regardez-vous. Moi, oui, moi ou vous, qu'importe, vous avez l'air paniqué avec ce tremblement. Je ressemble à un œuf dur sans coquille. Ça vous ressemble à moi. Qu'est-ce que vous cherchez en haut de cette tour? De l'air. Parce que vous êtes paniqué. Vous avez choisi cet édifice parce que c'est le siège du groupe du quartier et que j'ai une liaison avec la directrice. Non, moi. Moi, j'ai la liaison. Moi aussi. Vous aussi. 25e étage, vous sortirez de l'ascenseur, vous enjamberez le parapet de la terrasse panoramique, et vous sauterez. Moi, je devrais me jeter du toit? Pas parfaitement, c'est bien pour ça que vous avez pris l'ascenseur. Erreur. Je veux juste monter. Pas faux. Vous voulez descendre, et dans votre chute, vous passerez devant la fenêtre de la pièce où la directrice du groupe nucléartique sirote un cognac et attend son fils, qui justement se fait poser le visage que par votre chute, vous voulez l'anéantir une bonne fois pour toutes. Je veux pas. J'ai peur. C'est bien que vous l'admettiez. Allons, finissons-en. Vous pas. Je vous abandonne ici. Au contraire, je serai le premier sur le parapet à me balancer. Alors je vous pousserai, moi aussi. Je vous éclaterai la gueule sur le trottoir. C'est votre gueule, pas la mienne. Bouclez-la! 23, 24, 25, dégagez, je saute! Non! Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? Je sors de clinique à l'instant. Parfait, je saute à l'instant. Mais c'est beaucoup trop! Tu veux pas voir d'abord de quoi j'ai l'air? Je peux l'imaginer. Arrête de te balancer comme ça! C'est trop dur. J'ai tout perdu d'un coup. Mais nous sommes là! Mais nous t'aimons! En plus, je ne veux pas que tu te fracasses sur un rebord de fenêtre. Que penseront ces pauvres gens derrière leur bac à fleurs? J'ai Fleur, l'ami est à la porte. La vie est foutue, j'ai plus d'argent. Et alors? Tu peux vivre avec nous et utiliser notre argent. Ma femme m'a quitté, couché avec un autre. Tu n'as pas besoin de ta femme. Moi, je suis là. Moi aussi, je suis là, si tu veux. Enlève un peu ces chiffons débiles de ton visage qui se promènent comme ça. Vous voulez certainement du bien à moi. Ou à celui que vous prenez pour moi. Ou alors, peut-être pas du tout. Peut-être que vous pensez que je suis Christian, ou peut-être même que je suis lui, ou je suis Carman. Tu te prends terriblement au sérieux, comme si tu étais le seul à avoir ce genre de problème. Non, justement pas. Vous n'êtes pas obligé de vous différencier aussi radicalement. C'est moi. Qui? Moi? Moi? Oui, moi. Plaisir plutôt que moi. Que chercher? Ah bon, moi? Oui, moi. Et maintenant, tu m'as trouvé? Je crois bien, je me suis trouvé. Oh, je suis content. Moi aussi. Et je voulais pas sauter de là. Moi non plus. Je suis beau. C'est gentil de dire ça. Moi aussi, j'ai souffert de mon absence. Moi aussi. J'avais tellement envie de me retrouver. J'ai pas arrêté de penser à moi depuis que je me suis vu pour la première fois. Moi aussi. Car chaque seconde que je passe sans moi est perdue. Je ne peux pas vivre sans moi. Et moi? Pas sans moi? Je mourrais si je me perdais. Je ne veux plus jamais me quitter. Me regarder ainsi pendant des heures. Moi, c'est pareil. Quand je me regarde dans les yeux, j'oublie tout le reste. C'est gentil de ma part de dire ça.
Je m'aime.